Hey, coucou tout le monde, j'espère que ça allait bien. Donc si vous n'avez pas encore vu ma vidéo où je vous montre comment mettre une couleur, un emoji et un surnom sur Messenger, n'hésitez pas à aller la voir. Parce qu'elle est déjà en ligne en fait. Et du coup, parce qu'elle n'est pas très très longue en fait. Ça prend pas du temps. Du coup, aujourd'hui je vais vous montrer. Donc voilà. Faites pas attention au message, s'il vous plaît. Donc, du coup, je vais vous montrer comment j'ai pu mettre ça. Donc, ça, c'est un fond d'écran, mais en papier. Donc, je vais tout vous expliquer. Donc, j'ai installé une appli exprès pour ça que j'aime trop. Donc, c'est cette appli. Donc, c'est Kawaii Wallpaper. Donc, j'aime trop cette appli. Donc, attendez. Bon, ça répond pas. Voilà. Keep calm and love. Voilà, donc par exemple, si vous avez envie de mettre vous avez envie de mettre des dessins comme ça en fond d'écran, bah, vous pouvez. Le genre des licornes, des mangas, des chats, tout ce que vous voulez. Donc moi, j'en ai téléchargé pas mal, donc ce n'est pas pour me vanter, mais je vais vous les montrer. Donc je vais vous les montrer tous. Voilà, en fait, moi, c'est tout en collection, en fait. Tout ce qui est d'appareil photo, c'est appareil photo. Tout ce qui vient d'une appli, c'est d'une appli et tout. Voilà. Donc, je vais tout vous montrer. Ah, je l'ai en deux. Donc, voilà. Donc, pour commencer, j'ai installé un chat parce que j'avais envie. C'était trop mignon. Ensuite, j'ai installé une licorne. Ah, mais en fait, c'est en deux. Oups. Bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, un panda. Donc là, je vais vous montrer exprès comment mettre. C'est juste pour vous. Mais je pense que vous savez comment on fait. Mais pour la mettre directement, je vais vous montrer en partant de l'appli. Donc là, par exemple, je vais installer une appli au hasard. Une appli. Un papier peint, là, truc comme ça. Donc celui-là, par exemple, je ne l'ai pas installé encore, donc je vais l'installer. Vous pouvez mettre un cœur pour mettre dans vos favoris. Voilà. Ensuite, vous allez sur le plus. Vous cliquez sur Save. Et ensuite, vous allez sur Set as Wallpaper. Et vous pouvez grandir l'image. Vous cliquez ici. Et voilà. Et là, en fait, ça va directement vous mettre en fond d'écran. Donc, je vais remettre la licorne. Et donc là, je vais vous montrer. Voilà. Et du coup, ça va directement sur Galerie où il y a tous les espèces de papier peint que j'ai déjà mis. Du coup, voilà. Et donc ensuite, ben, pour mettre ben, fond d'écran, je pense que vous savez comment on fait. Mais au cas où, pour ceux qui veulent savoir comment on fait, donc moi, je reprends le même dessin. Donc vous allez sur les trois petits points. Vous allez sur utiliser l'image comme. Donc vous mettez fond d'écran. Si vous voulez un fond d'écran. Voilà, vous cliquez ici et vous pouvez cliquer sur écran d'accueil. Donc ça dépend de vous. Si vous voulez mettre sur écran de verrouillage ou écran d'accueil et écran de verrouillage ou écran d'accueil. Moi je veux écran d'accueil. Du coup, voilà. Donc c'est très très simple. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous a plu. Donc ça, c'est mon deuxième tuto d'aujourd'hui. Donc je sais que c'est un peu des tutos nuls, mais je vais essayer quand même. Je suis un peu niveau débutante au niveau des tutos. J'espère quand même que vous avez aimé ce tuto-là, mon deuxième tuto. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, puisque je n'ai que 7 abonnés, mais vous pouvez également vous abonner à une autre chaîne YouTube. Du coup voilà, je vous fais plein de gros bisous et à plus. Bisous.